Anthony, on a l'impression que ça se répète un petit peu, les scénarios des matchs. Ouais, c'est des matchs qui sont très 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 serrés. Ça ressemble étrangement à celui de Sergi à la maison, où on a des occasions et on marque pas assez de buts, donc ça c'est récurrent. Donc on va encore travailler sur ce problème d'efficacité. Parce que prendre des buts, c'est plutôt logique. Hein. On ne peut pas garder toujours le score à zéro. Donc prendre des buts, c'est, même si c'est toujours embêtant, c'est logique. Mais de ne pas marquer 4 buts en 3 matchs, c'est trop peu pour pouvoir prétendre à gagner pour le moment. On a vu un peu de mieux, par contre, peut-être dans l'engagement, dans le sacrifice, etc. Oui, c'est ce qu'on n'a pas vu à Rouen. On l'a vu ce soir. Donc c'est sûr qu'on va jouer avec toutes ces équipes-là qui sont Gap, Bordeaux, Prep. Toutes les équipes, de toute façon, ça va jouer. J'avais dit au début de saison, hein, avant de commencer, que tous les matchs se joueraient souvent dans le dernier tiers-temps à un but. Et on voit, c'est ce qui se passe. Donc, c'est à nous d'être un peu plus déterminés et encore une fois de marquer des buts. Quoi. On a l'impression que le deuxième but de Gap à la fin a laissé des traces dans le troisième, parce que dans le troisième, il y a eu quand même pas mal d'approximations. Ouais, c'est toujours étrange quand. On a l'impression de dominer, qu'on a des occasions, qu'on ne marque pas, et puis eux, quasiment derrière la cage, marquent un but. Et encore une fois, dans le troisième tiers-temps, ils marquent un deuxième but derrière la cage. J'ai jamais vu ça. Donc, on ne joue pas au mieux, c'est sûr, mais on n'est pas verni non plus. Donc, on met les deux facteurs cumulés, et ça nous fait perdre. Donc, il ne faut pas rentrer dans une spirale négative, il faut continuer à travailler. On s'en sort que par le travail. Donc, oui, on perd, mais on ne perd pas 5-0. Donc, il faut qu'on travaille. Quoi. Ça va tourner à un moment ou à un autre, et puis, plus tôt, ça sera le mieux. Mais la saison est longue, donc il faut vraiment travailler plus fort. Ce soir, Gap a sûrement travaillé un peu plus fort que nous, et ils méritent leur victoire. Un peu de frustration quand même, je pense, au niveau des joueurs, parce qu'ils ont quand même donné beaucoup sur le match. On a vu vraiment un hockey qui allait de part et d'autre de la patinoire. Ouais, c'était un hockey un peu trop engagé en goût. Hein. Quand on est entraîneur, on veut que ça soit un peu plus posé, comme les 10 premières minutes de la première période, où on était bien en place, on forçait bien, on avait un troisième qui surveillait un peu ce qui se passait un peu plus haut. Et puis on est rentré un petit peu dans, peut-être un peu dans la facilité, parce qu'on dominait. Et puis après, Gap s'est engouffré dans ce jeu-là de ping-pong, où ça va d'un côté à un autre. Donc ça va arriver dans la saison, mais notre jeu, c'est normalement d'être un peu plus posé, d'être agressif, et puis d'être plutôt compact, et puis de ne pas tomber dans ce match de tennis de table où c'est trop compliqué pour nous. Okay.